Et ouais, c'est moi le mec à poil dans la pub. Voilà, je suis comédien, pas connu, du coup je fais des pubs. J'ai reçu une lettre de mon agence de mannequin, car oui, on pourrait presque m'appeler mannequin, même si je suis un petit gros, je suis un mannequin petit gros, ok? Et en fait, ils m'ont dit, ouais, tu veux pas faire une take? Qu'est-ce que c'est une take? Pour vous qui ne connaissez pas, c'est très simple, tu te filmes chez toi à faire le casting. Comme ça, tu loues pas des locaux pour faire les castings, tu fais pas venir tout le monde et c'est plus simple. Et là, en fait, mon casting, c'était simple, c'était je devais sauter en l'air comme une merde et tomber comme une merde sur le matelas. Bon, c'était ça le truc, pourquoi pas? Et ça, faire la merde, je sais faire. Ah ouais, non. Et surprise, je suis pris. Ah non, mais ça, franchement, c'est ouf, je suis trop content, c'était cool. Voilà, t'es pris, j'ai une bonne nouvelle. Par contre, tu gardes la barbe, même plus grosse, et surtout, tu restes gros, je fais yes. Ça, c'est un job pour moi. Parce que tu m'aurais dit, tu perds 10 kilos, là, j'aurais été dans la galère. Bam, on me dit, je dois rester gros. Bon, voilà, donc j'ai fait un régime ultra raclette. Que des bonnes choses pour garder ton poids un poids de rêve. D'ailleurs, allez, je vous mets le clip en entier. L'ensemble matelas et sommier guinguette à 479 euros. But, vos envies sans attendre. Je vais vous raconter un peu le tournage parce que franchement c'était fou. Je suis arrivé, les gens ils m'ont dit ah mais tiens c'est toi sur la vidéo, t'étais trop drôle, ça machin. Et franchement j'étais trop content parce que pour une fois que les gens faisaient des compliments sur ce que je faisais. Et ben voilà, le seul moment où on fait des compliments c'est quand je saute en slip comme une grosse merde. Et en fait il y avait plein de tournages qui tournaient plein de pubs au même endroit. Franchement le truc était assez gros, c'était un gros studio. Et en fait il y avait un écran géant, tu sais, ces écrans géants qui font 20 mètres de long, 10 mètres de hauteur. Impression, l'équipe était super cool. Et en fait c'est marrant parce que t'avais l'équipe but qui te regardait. Donc, du coup je commence à mettre un slip. C'est eux qui ont payé le slip. Ils m'ont même donné à la fin du tournage. Eh, sympa les gars, 100 balles le slip. 100 balles. Maintenant j'ai un slip de bain chez moi qui coûte plus cher que toutes mes fringues. Et j'arrive en slip et là ils m'ont dit waouh, c'est toi qu'il fallait qu'on choisisse, vraiment t'as le corps parfait pour être en slip. Moi je me trouve dégueulasse, mais bon apparemment ça plaît les gens, ça fait rire. C'est le plus important mais là pour faire rire. Ça, et voilà, ils m'expliquent, voilà, tu sautes, tu machin. Tout. Alors l'équipe de prod était trop sympa, moi je discutais avec tout le monde, avec ceux qui s'occupaient des habillements, toute la team était sympa. Même les gens de but étaient cool parce que tu vois, ils étaient en train de bosser, je sais pas, ils achetaient des bouts de bois pour faire des armoires, puis ils levaient la tête, ils regardaient l'écran où moi je faisais mes trucs. Ouais, ok, c'est bien. Et puis ils revenaient. C'est une ambiance assez bizarre. Alors je vous raconte tout, il y a certains qui vont dire ouais, pourquoi tu balances tout, tu peux te faire griller. Bon, déjà, je dis rien de grave parce que ça s'est très bien passé. Et deux, j'ai quand même fait passer 20, 30 castings, je les ai jamais eu. Donc je pense pas que. Moi, je suis fait pour les pubs muettes. Voilà, c'est mon truc. Donc si vous cherchez quelqu'un pour des pubs muettes, vous me dites. Hein. Et donc du coup, voilà, ils me disent voilà, tu sautes au truc, voilà, je fais le truc bien, ça. Et après, il y a le moment où je me relève. Oui, tu sais, oui, je l'en mets. 9 euros. But, vos envies sans attendre. Et en fait, il voulait que je fasse un truc, je me lève comme ça, que je tourne la tête, je lui dis, attendez, vous voulez pas plutôt faire un truc un peu sexy? Et là, il me dit, attends, essaye. Et là, je fais ce truc un peu sexy, un peu dégueulasse. Et là, super bien. Et donc, je suis content parce que ben, j'ai quand même proposé un truc et ça, c'est ils l'ont pris, quoi. Tu vois. Donc voilà, super bonne ambiance. Tu vois, moi, je filme avec un DJI Pocket 3, tu vois. Eux, ils filment avec des matos, mon pote. Des fumées. Il y a même une meuf, toute l'après-midi, son seul job, c'était de me faire style qui avait des lumières, tu sais, comme une piscine sur ton visage, le reflet de l'eau, tu vois. Mais elle, avec du papier alu, quoi. Et bon après-midi pour elle, la meuf. Mais voilà, le réel était super cool. La prod, super. Franchement, si je pouvais travailler dans ma vie tout le temps avec un organisme comme ça, ben, je serais trop content, mon pote. Et donc voilà. Et en fait, je savais pas que ça passait à la télé, moi. Je savais pas que ça passait à la télé. Et là, j'ai quelqu'un qui m'appelle, il fait, mais c'est toi la télé? Je fais, ça dépend pourquoi. Et c'est pas la première fois que je passe à la télé, bien entendu, écoutez, je suis une star. Et là, les mecs, ils me font, ah non, mais t'es passé à la télé. Et en fait, oui, ma pub, elle est passée à la télé. Et donc, je suis content. Et en fait, là, je me suis dit, mais attends, ça passait à la télé, je vais toucher plus d'argent. Alors, j'envoie un message à ma manager. Et elle fait, non, c'était compris déjà dans le prix, il y avait marqué. Que c'est peut-être passé à la télé. Et je suis content parce que c'est une des seules pubs buts qui est passée à la télé sur ce concept-là. Ceux qui ont dû bien aimer. Écoutez, ils ont dû aimer voir un corps d'athlète. Et c'est agréable parce que, tu sais, nous, on fait des milliers d'artistes pour qu'on nous reconnaisse un peu, tu vois, pour qu'on soit aimé. Tu vois. Moi, ça fait 10 ans que je fais du stand-up, 5-10 ans que je fais de la comédie. Personne ne me reconnaît, tu vois. Voilà, faut que je fasse un truc d'un mec à poil pour qu'on me reconnaisse, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bon, je le prends pas mal. Pas du tout. On m'a plus chier quand même. Au final, le tournage, il a duré 4 heures pour 15 secondes de film. C'est quand même fou parce que tu te dis, c'est vraiment très long. Mais il y a le temps de préparation, on l'a refait. Ils ont fait des plans qu'ils n'ont pas utilisés pendant la pub et tout. Les mecs avaient une vraie vision, mais tu vois, tu testes des choses, quoi, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que, vraiment, encore une fois, moi, je filme avec un petit peu de matos, tu vois, et pas beaucoup de matos.
Et quand je vois le matos comme ça de ouf, ben je fais putain, c'est trop bien quoi. C'est trop trop bien quoi. Trop trop bien. Voilà. Allez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ça. Je vais raconter 2-3 expériences que j'ai eues, comme ça, un peu au débotté. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à acheter un matelas Butte. Voilà, non mais. Je touche pas d'action dessus, mais bon, c'est toujours bien, ils sont bien les matelas Butte. Voilà. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qui on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sur Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo.